YouTube, greux, c'est Sean Kazma, j'espère que tu en es back, messieurs dames, de retour aujourd'hui pour la Cantonica, planète casino, rappelle-toi, puisqu'on a besoin là-bas d'une mission pour pouvoir boucler Coruscant, mais pas que, parce qu'il me semble que quand on avait fait quelques missions ici et là sur d'autres planètes, à plusieurs moments, on nous avait demandé d'aller sur cette planète. J'ai pas envie d'y aller, de loin je ne l'aime pas, hein, je vais pas te mentir. Juste, et bah c'est comme tout, hein. T'aimes pas les légumes, mais il faut en manger pour avancer dans la vie. Et bah c'est exactement la même chose avec ce qui se passe ici. Alors attendez, juste un truc. Parce que si c'est le vaisseau que je crois, c'est le dernier d'un défi, lui. Ouais, 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 c'est lui. Il y a 10 vaisseaux qu'il faut chasser dans l'univers, et je crois que c'est le dernier qui me manque. Je l'ai perdu de vue. Il est où? La gueule! Arrête de te foutre de moi! Let's go! Mission terminée! Et ben voilà, parfait! Et comme toujours, bah messieurs dames, on commence déjà par la partie de l'espace, hein. Voilà, le x5 qui fait plaisir! Oh là là, le luxe! Le luxe, le luxe, le luxe! Ah, super, je me suis explosé. Bon, dans l'épisode précédent, on a globalement terminé Coruscant, mais du coup, il nous manque une mission qu'on peut pas faire tant qu'on n'a pas fait Cantonica. Une fois qu'on aura bouclé la planète, on refera un petit tour là-bas. Et du coup, on en profitera pour, pour boucler ensemble, du coup. Vous êtes encore là? Je pensais que vous aviez déjà abandonné. T'as bugué? Ouais, ça a vu le dialogue qui est apparu alors que je l'ai déjà vaincu. Trop bizarre. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent, messieurs, installez-vous confortablement. Merci à toutes les personnes qui ont follow, savez Prime. Merci à toutes les personnes, peu importe du réseau que vous venez. Allons-y. Surtout quand je gagne. 10 secondes? Hein? Non, pas 10 secondes. Attends, c'est quoi? C'est ça! Oh putain, d'accord! Faut briser des astéroïdes! Mec, c'est super dur! Wouah! Mec, c'est dur! C'est dur! Attends, attends! Merde, oh la vache! Ça m'a pris un peu au dépourvu! Mercredi! Allez, 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 il en reste 4! Je suis nul. Ah, mais c'est super dur. Après, j'avoue, on a eu quand même un très très mauvais départ. Ce qui a pas aidé. Bah, j'ai même pas réussi à finir. Hein? Ah, si, je suis trop balèze. Ah, il fallait en faire 10. D'accord, je crois qu'il fallait avoir fini avant les 10 secondes. Ok. Et bah, je suis trop fort. Attends. Je suis trop fort, mais il me manque un perso. Merde, il est où? Il est où? Je l'ai vu tout à l'heure en plus. Attends, tout à l'heure j'ai vu sa tête au perso. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Monsieur le... Ah, perso. Let's go. Voilà. Yeeha. Ouais, j'ai hâte qu'on termine la planète casino. Hein. Parce que s'il faut, elle sera très bien explorée. Hein, mais de loin comme ça, je vous avoue qu'elle me donne pas envie. Pas envie du tout même. Salut beau gosse! Tu veux bien me donner ton perso? L'aide tant attendue est enfin arrivée. Je commençais à croire que j'allais devoir sauver ce vaisseau moi-même. Ça aurait été une véritable catastrophe, croyez-moi. Nous avons reçu un signal de détresse provenant de l'un de nos vaisseaux près d'ici. Encore un coup du premier ordre. Et c'est de plus en plus fréquent. Vous pouvez intervenir? La balise de détresse devrait se trouver sur votre radar. Je vous encouragerai, mais de loin alors. Ah putain, c'est où? Premier ordre, miséricorde. C'est où? Tu me fais peur. Alors, sauver le vaisseau de la résistance. Ah, c'est là? Oh, je me suis. Non, j'espère qu'il y aura du contenu qui va arriver à l'avenir dans le jeu. Normalement, c'est prévu. Normalement, c'est prévu qu'il y ait des DLC d'histoire. Donc, moi, j'ai hâte. Parce que les DLC de perso, c'est bien, hein. Vite fait, hein. C'est bien. Mais, franchement, 15 balles pour 6-7 persos, flemme. Franchement, flemme. Il y en a 380, t'as déjà pas vraiment le temps de t'arrêter sur chacun des persos. Je vois pas l'intérêt d'en payer plus. Vraiment, hein, même si c'est des Mandaloriens ou des je sais pas trop quoi, un peu plus premium, tu vois. Genre, moi, faut que tu me valorises le DLC. Je paye 15 balles, tu me donnes un minimum de quoi jouer. Merci. De rien. C'est tout? C'est tout? Mais c'est de la merde. Bah attends. Ah oui, c'est tout. Eh ben, let's go, messieurs dames, on atterrit. Parfait, parfait, parfait. Alors par contre, j'ai pas checké le nombre de missions qu'il y avait à faire dans le coin.
Parce qu'en vrai, les cubes, ça va, c'est jamais trop le truc chiant. Mais les missions, si on a beaucoup et si elles t'emmènent sur d'autres planètes, ça va être chiant. Ah là 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 là. Quelque part, j'espère toujours qu'il y ait des prérequis, ne serait-ce qu'un ou deux. Ce que je me dis, c'est ce qui me permet de m'aiguiller vers la prochaine planète où on va. Et en même temps, si ça se finit comme ça, c'est aussi très très bien. Hein. Rapide, ouais, de ouf. C'était super rapide. Bon alors, Cantonica. Super. Très heureux d'être là. Alors. Bah écoute, Ray, tu seras notre perso du jour. Oui, ça y est. Ça a fini de bugger. Oh là là. Survivant. Bon du coup nous YouTube on enchaîne sur une grosse session hein, comme toujours plusieurs épisodes d'affilée. Et je disais dans l'épisode précédent que j'avais deux ou trois persos qui étaient buggés dans mon inventaire et qui voulaient pas disparaître. Ça y est, ils ont enfin disparu. Oh j'en pouvais plus. Ah vraiment hein, j'avais Yaddle qui était coincé mon gars. Quand t'as un Grimlins qui te regarde à chaque fois que tu passes dans ton inventaire. Non tu craques, moi je craque. Ok. Ok. Et ok. Je ne pars jamais les mains. Cube d'introduction. On est bon. Eh ben, let's go. Let's go, let's go, let's go. Oui, pardon, on avait dit on faisait un point. Alors. Ça va, ça va. C'est majoritairement des cubes, il y a pas beaucoup de missions, ça va être cool. J'espère, j'espère. Allons-y. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Pour la suite de ce 100%. J'ai une question pour les personnes qui regardent le stream. Quel jeu? Et à combien vous en êtes? Genre, est-ce que vous faites le 100% ou est-ce que vous avez fait que l'histoire? Ou est-ce que vous avez même pas fini l'histoire? Comment ça se passe pour vous? Petite question, tu fais d'abord les planètes avant les missions secondaires du mode histoire? Alors, en gros, sur YouTube, on a déjà proposé l'aventure principale. Donc les 9 films dans l'ordre de sortie, enfin dans l'ordre de l'histoire de la saga Skywalker, donc de 1 à 9. Ensuite, moi ce que je propose pour YouTube, ce sont les planètes à faire à 100%. Les niveaux d'histoire, je les refais de mon côté. Je les refais de mon côté parce qu'en fait, ce serait juste montrer deux fois la même chose. Sauf que y aurait des petits trucs différents parce que des fois, voilà, t'as un pouvoir qui a une capacité. Enfin, t'as une capacité. Attends, je vais y arriver. Tu as un perso qui a une capacité et donc tu peux voir un niveau différemment. Mais globalement, c'est le même niveau à 99%. Donc ça sert pas à grand chose de le reproposer une deuxième fois. À l'époque, on faisait ça. J'ai fait plusieurs séries Lego sur ma chaîne YouTube. Si jamais vous êtes de Twitch ou de TikTok, voilà, si vous aimez Lego, il y a d'autres aventures sur YouTube. Et à chaque fois, je propose des 100%. Donc voilà, Lego Star Wars, pour moi, c'est bonne première, hein, clairement. Par rapport à beaucoup qui ont découvert justement Lego Star Wars avec ce jeu. Enfin, la saga Lego avec ce jeu. Mais je vois pas l'intérêt de reproposer deux fois pour YouTube. Je le fais, mais je rec pas. Je rec pas. Ah, la plupart des gens qui regardent, en fait, n'ont pas le jeu. D'accord. Bah écoutez, j'espère au moins que par mon aventure vous kiffez hein. Et désolé s'il y a un peu que ça ces derniers temps. Mais on a fini AC3, Bioshock Infinite, il y a le DLC à faire. Mais pour le moment, bah c'est en pause on va dire, le temps de bien avancer. En fait, il y a tellement de taf au niveau de Lego Star Wars que je peux pas trop m'éparpiller, tu vois. Déjà j'ai pris une bonne semaine pour bien avancer les Bioshock et les AC. Mais maintenant qu'ils sont bien complétés, genre voilà, je me refocus un petit peu parce que sinon on n'a pas fini avant le mois prochain. Let's go! Je crois que... Ah, j'allais dire, je crois que la plage on a fait, mais... Merde, il restait un cube. Genre, je t'avais pas vu, toi. Genre, je t'avais pas vu. Baby. Attends, il était juste à côté? Mais lol. Mais lol! Baby! Bienvenue! Ok, parfait. Je me disais aussi qu'on n'avait pas eu le bienvenu. Ok. Et ben voilà. Alors, et c'est là qu'on commence à rigoler. Première étape, comment on monte? Première étape, comment je grimpe? Étape 1, grimper. Voilà. Oh, elle est con, c'est timé. Ok, je viens de comprendre. Étape 2. Allez, vas-y. C'est bon, facile. Compréhensible du coup que tu fasses ça en off. Je suis le seul à avoir fini Star Wars du coup. Alors d'un point de vue du 100%, actuellement t'es le seul à l'avoir fini. Ouais. Sinon techniquement je l'ai fini aussi hein.
Mais je suis content parce qu'on a pu gagner du temps, parce que le jeu on l'avait déjà plusieurs jours avant sa sortie officielle. Donc ça nous a permis de gratter un petit peu l'exclu et de bien avancer, de prendre le large. C'était cool. Nya! 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 Et let's go! Ok, ça va. Pour le moment, c'est plus agréable que je pensais. En fait, c'est vachement des couloirs. Je m'attendais à une planète comme, bah, comme le quartier du Scru, mais en version... je sais pas. En version... ici, quoi. Je sais pas comment dire. Il manque un cube. Il manque un cube. Ah. Merde, il manque un cube, attends. Est-ce qu'il y a moyen de récupérer ces cubes-là et de les mettre en bas? Du coins. Ça marche? Ça marche! Excellent! Ok. Par contre, j'ai vu un truc violet. Merde, c'était quoi que j'ai vu? Ah non, bah j'ai peut-être bugué. Let's go! Ok. On enchaîne. Bonjour. Qu'est-ce que... Ah, elle veut parler qu'avec mon droïde. Enfin, mon gonk. Bonjour. Je viens de trouver cette brique brillante. Ça vous dirait de m'acheter un hérit... Mais pourquoi vous voulez tous que je les achète? Vous êtes des malades! Tu m'emmerdes! Allez, Raboul. Ouais, c'est ça, ouais. Eh, franchement, j'ai buglé. Hein. J'ai vraiment cru que le truc n'avait pas besoin. Le seul jeu où j'ai fait le 100% pour le moment est Elden Ring. Elden Ring? Ah oui. Ah oui, pardon. Excusez-nous. Oh, excusez-nous. On n'est plus dans la même catégorie, là. Excusez-nous, pardon, monseigneur, monseigneur. Waouh. Ah oui. Après, je comprends. Hein. Les grands jeux, t'as envie de t'y investir. Hein. Mais je considère Lego Star Wars comme un grand jeu, donc bon. Par là. Putain, Lego Elden... Lego Elden Ring, n'importe quoi. Elden Ring, GG. Faut vraiment que je me le fasse, Elden Ring. Pareil, j'ai eu la clé, mais j'ai toujours pas joué plus que ça. J'ai joué 2 heures. Après, j'avoue, il y a pas mal de choses se sont enchaînées, donc j'ai pas trop eu l'occasion non plus. Hein. Pourquoi il y a 1 milliard de cubes, là? Je peux vous déranger un instant? J'ai commandé un Canto Club sandwich. Ok, d'accord, c'est le fameux service. C'est le fameux service et... Oh putain, il y a que ces 3 PO qui peut y aller. Fais voir. Ça fait quoi si je fais ça? Oh, Sugoi. Excellent. Vas-y, Raboul. Hein? Ah, ok, tu peux pas... ok. Tu dois d'abord servir puis ensuite prendre. Ok, ok, ok. Alors, madame est heureuse. Parfait, monsieur. Simon Pal. Ok, lui, il veut un gâteau. Un gâteau! Et toi, je suppose que tu veux un jus vert. Un jus vert, parfait. Ok, ok, ok. Ah, mais il y a d'autres trucs à servir! Oh là. À l'aide. À l'aide. Ok. Ok, donc le jus vert, c'est pour toi. Tiens mon copeau. Parfait. Et il doit me rester un bout de gâteau quelque part. Ah, il y a d'autres trucs encore, je vois. On est où? Il y a ça et encore une autre assiette. Mais je crois pas avoir vu 4 clients. Moi, c'est Assassin's Creed 2 et Dark Souls 1. Il y a beaucoup de jeux que j'ai fait à 100%. Voilà, les cités comme ça... Ah merde, il est mon gâteau. Il est mon gâteau. Hein? Hein? Attends, c'est un bug d'affichage? C'était un bug d'affichage, d'accord. Ouais, non, il y a beaucoup de jeux que j'ai fait à 100%. Tada! Let's go! On a eu le coffre de la banque. Eh ben parfait, en avant, Choui. Je suis en train de préparer ton casse-marathon sur Assassin's Creed Rogue et je fais le 100%. Le 100% sur Rogue, c'est faisable. On l'avait fait en LP à l'époque. On va le refaire d'ailleurs. Préparez-vous. Préparez-vous.
Mais avant, libération. Là qu'on fait pas forcément exprès, mais en ce moment on fait que déjà à 100%. Mec, ça me tue de faire ça avec une baguette. Il y a un petit côté drôle quand même. Hein. En fait, attends, il me reste pas une data carte. Ah, il me reste une data carte. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un mode. Effet sépia. Donne un look hologramme au perso et vaisseau. Un mode rétro. J'ai envie d'un mode rétro. C'est quoi un mode rétro? C'est quoi la différence? Si, fait... Attends, il y a un espèce de filtre un peu grisé. Ah ouais, les couleurs elles sont moins... moins vives. Ah, je suis un peu déçu. Ah, j'espérais mieux. Ah, je vois ce qu'ils veulent dire. En fait, ça fait penser au 4, 5, 6 du coup. Les films, bah les premiers films sortis dans les années 70. Ah, d'accord. Ah, c'est pas mal. Ouais, si, ok. Perso, les jeux que je joue sont Monster Hunter, les Fire Emblem, Inazuma Eleven, Professeur Layton, Honkai Impact, ainsi que Genshin Impacto. Incroyable. Que des bons jeux. Que des jeux de la japonisance. Attendez. On a un coffre. Et pas d'interrupteur. On a un coffre. Mais pas d'interrupteur. Ah, j'ai la data carte. J'ai la data carte. Est-ce que... Ah, trop fort. Ok. Oui. Ah d'accord, en fait c'était ça le truc de base. Truc legit. J'aime pas les trucs legit. Qu'est-ce qui se passe ici? D'accord. D'accord. Ok, c'est des gangsters. C'est un piège. À mort. Attends, c'est quoi? À mort. Je suis pas pâtissier. Enfin, pas pâtissière. Quand je vous dis que ça s'appelle mal, quand je vous dis que ça s'appelle, quand je vous dis que ça paye mal d'être Jedi, ah, c'est dur à dire. Zelda Breath of the Wild avec 500 heures. Oui, mais 500 heures, ça veut pas dire l'avoir fait à 100%. Ça veut pas dire ça. Je pense que t'as largement fait le 100%, mais. Après, Breath of the Wild, c'est comme beaucoup de jeux, hein. C'est pas forcément très compliqué, c'est juste très long. Hein. Surtout quand tu sais qu'en plus, pour faire le 100%, il faut faire tous les korogus. Pour les coffres, des fois, tu as 4 cibles et pas forcément des plaques de pression. Ouais, je sais. Je sais. Bah, on a fait plus d'une dizaine de planètes, c'est juste que j'ai pas vu... j'ai pas vu les cibles en question, c'est pour ça, t'as peut-être pas remarqué, j'ai regardé vers le haut tout de suite. Justement, en cherchant des cibles. Et j'ai pas vu. Donc en général, dans ces moments-là... Trouvé. Dans ces moments-là, je cherche 2 minutes et je vais... voir ailleurs et puis je reviendrai plus tard. Tu veux, j'optimise mon temps au maximum. Je laisse juste les dialogues quand il y a des quêtes de perso ou des quêtes de vaisseau ou de trucs de genre. Donc 1 2 Ok, il y a un troisième qui sera là-bas du coup. 3 Et le quatrième, tu seras où? Ah, attends, uno, dos, tres. Ah, bah j'ai trouvé. Dos, tres, cuatro. Cuatro. Ouh, j'ai eu peur. Perso, je cherche pas les 100%, je cherche plutôt à passer un bon moment. Je suis d'accord. Mais pour moi, passer un moment, justement, ça part aussi dans la recherche de vouloir accomplir le fait au maximum pour te dire que t'as assez aimé le jeu. Et genre, tu dis merci aux développeurs, en fait, donc tu pousses plus loin le vice. Après, voilà, on aime tous une expérience d'une manière ou d'une autre. Hein. Certains regardent les films totalement, certains les regardent en plusieurs fois, d'autres les regardent en parallèle de leur téléphone, certains n'y portent pas attention, certains ont besoin de le voir 5 fois pour l'apprécier pleinement. J'ai activé un bouton. Ah, d'accord.
Tac 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 tac. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Excusez-moi. Gloire à l'empereur Palpatine. Faudrait pas faire un truc pour moi, toi ? Je suis du côté du mal maintenant. Ah ben en plus c'est vraiment ça. Excellent. Mais moi je sais que l'une de mes manières vraiment de dire merci à un créateur de contenu d'une manière ou d'une autre, c'est de poncer le truc, tu vois. Genre un artiste, même si je le découvre avec une chanson, je vais essayer de faire l'effort d'aller écouter le reste. Tu touches toujours des surprises. On sait jamais. Quand je regarde un univers, je suis chiant. Hein. Je me sens obligé de tout mater. De tout mater. Ce qui fait que des fois c'est infinissable. Infinissable. Toi, c'est une escorte. Ici Sir Gonkington 3, en mission héroïque pour accomplir mes destinées électriques. Besoin de protection contre des imbéciles qui essaient de le réduire en pièces. Tayo ! Vous protégez Sir Gonkington 3 au cours de ce noble mission ou quoi ? Gloire et récompense à venir, Tayo ! Aux armes ! Sir Gonkin 3, en avant ! D'ailleurs, j'ai pris 5 heures pour faire une quête principale de Rock parce que 100% 4 îles pendant la mission. Pas compris. Niveau jeu avec plus d'heures, c'est Stardew Valley avec 227 heures. Skyrim. Moi, ça reste Skyrim. Skyrim qui est en pause depuis un moment quand même sur la chaîne. Hein. Après, je rappelle, je l'avais dit, hein, ce serait une série de fond en attendant les grosses séries. Et on reviendrait dessus après. Mais c'est vrai que j'ai de la demande, j'ai pas mal de demandes pour Skyrim justement. Donc peut-être revenir dessus prochainement avant de commencer vraiment un nouveau jeu. Vous proposer quelques épisodes, jouer je sais pas une dizaine d'heures. L'air de rien, une dizaine d'heures ça fait 5 épisodes, hein. Je rappelle, on fait des épisodes de 2 heures donc ça va vite. Hein. Il en reste un. Non, c'est bon? Attends-moi! Je veux te chevaucher! Oui! D'accord, il y aura une quête à faire là après. Hein. Ok. Là! Que dalle! Rendez-vous! Où ce sera la guerre? Kazma, oui, la guerre! Ok. Ah mais on va vers le scénar. Vous savez où il y a le gosse normalement dans le film. Ce sera le nouvel héritage Jedi. Skyrim, moi c'est le deuxième avec 400 heures. Qui serait le deuxième pour moi? Je sais pas. J'en reparle jamais parce que ça fait très longtemps aussi. Mais il y a Lascao à l'époque, un MMO que j'ai beaucoup torché. Je l'ai refait des vingtaines, trentaines de fois avec des nouveaux persos et à chaque fois en allant au niveau max pour l'époque. Donc ça fait quand même pas mal. C'est gratuit donc t'en profiter, tu vois. Non, je sais pas trop en vrai. Il est stylé. Je dirais le père Adams de la famille du même nom. Ok, on a eu le perso. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Attends. Ah, ok, c'est juste au-dessus. Alors, une course. Captain Kennedy. Je pense que... Hein? Ok, j'allais dire je pense que j'aurais dû prendre une monture. J'avais une monture. En avant! Yeeha! Elle est très très stylée cette monture. Par contre, ils sont un peu hauts les points. Ils font peur, hein. Vraiment, à un moment... Oh, allez! Ça va trop vite, ça va trop vite. À un moment, je vais en louper, hein. Nya! 88 miles à l'heure! Par là? Pas par là, hein. C'est pas par là. Nique ta mère! Putain, allez... Ah, je suis coincé! La visibilité! Je l'ai eu, yes! Ok, par contre ils m'ont ramené à l'entrée, pas ouf. Ah non, on fait chier, ah, attends. Oh, il y avait une porte là, j'ai pas vu. Bonjour. Ah oui, j'avais pas vu, ok.
Il faudrait que je retourne là où j'étais parce qu'il y avait pas mal de choses à faire. On a eu Captain Kennedy. Captain Kennedy, l'eau. Ah, attends, il n'y a pas une caisse. Là. 4? Comment ça, 4? 4? Oh là. Vite! Oh oui! Oh oui! Je crois que c'était au millième de seconde près. Tu sais, t'as des missions, etc. sur les îles, et une fois que t'as tout fait sur l'île, son icône devient bleue. J'en ai fait 4 pendant la mission, je sais pas si c'est mieux pour toi, enfin bon. Ah, pour Rogue? Oh, je sais plus. Je sais plus. Je sais juste qu'à l'époque, je me rappelle avoir vu dans les menus qu'on avait fait le 100% sur la série YouTube. Maintenant, je sais plus. Après, pour YouTube, c'est pas régulièrement que je fais le 100%, c'est juste que là, on est tombé en plein dedans, quoi. En plein sur plusieurs jeux que j'aime vous faire à 100%. Parce que moi, ça me plaît de le faire et il y a un public pour ça. Il y a toujours un public, de toute façon, pour le 100%. Toujours, toujours. Il y aura un public pour tout, hein. C'est par là. Chercher le petit jardin sur le côté. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Là, il y avait une histoire de gland. Là. Stoink. Une chasseuse de primes de mon rang ne se rabaisse pas à ce genre de travail de soldat. Oui, de attends, je comprends pas. Bienvenue au jardin de Kanto. On essaie une nouvelle terre pour accélérer la croissance. D'accord, mais pourquoi je peux pas... Oui. Enfin, oui, on a tous compris, hein, faut planter le gland. Ah, ou peut-être que je peux le faire qu'avec un Jedi. Non, c'est bizarre. Oui. Bienvenue. Non, chut. Ah putain, si, je peux le faire qu'avec un Jedi. Ok, par contre, le dernier gland... Ah, il est là. Il est là, il est là. Ah! Là! J'arrive! Avec mon gland! Ok. Voilà, parfait. Uno. Dos. Et. Tres. C'est bon? Parfait. Voilà! Bon, ça va, pour le moment ça se passe bien. 4 milliards, messieurs dames, on n'avait pas vu. Oh là 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 là, on progresse, hein. Dis donc. Attends, comment tu atteins le cube à droite? En planant, par Dieu, en parlant. Y'a un cube là? Ah, y'a un cube au-dessus, d'accord. Ok. Piste de décollage. Et après, ce sera tout par là. Parfait. Ouais, je suis surpris. En fait, je pense qu'ils se sont déjà dit que la planète serait peut-être chiant à visiter pour les joueurs. Et ils l'ont rendue moins chiante. De toute façon, au bout d'un moment, on va être obligé de passer par les planètes qu'on voulait pas faire. Hein. Mais heureusement, c'est pas les plus grosses, tu vois. Ah! Attends, on a un cadenas. Merde, où est la clé? Ah, où est la clé? La clé, la clé, la clé. Attends. Attends. On a récupéré pas mal de clés maintenant. Hein. S'il faut, on a peut-être déjà de quoi rentrer. Alors, vérifions. Oui. Qu'est-ce que je foutais tout là-bas? Pourquoi mes copains ils me suivent pas, bande de gogol? Et au fait... Attends. Ah! Ah oui! On a peut-être oublié à un moment de faire les upgrades. Il est vrai, il est vrai. Ok, donc ça c'est fait. Messieurs, dames, on va avoir largement de quoi commencer un nouveau style de perso. Il nous reste 65 cubes, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il nous reste les Jedi,
les héros, les vauriens, chasseurs ou druides? Qu'est-ce que vous voulez voir? Qu'est-ce que vous voulez voir? Tant que vous choisissiez, moi je regarde ça, si j'ai pas la clé. Cité nuage, c'est pas ici. Palais de Jabba, non. Process pas, porte d'entrée, porte 2, Cid, base des rebelles, tu annules. Non, j'ai pas. Les Jedi? On rigole les Jedi, hein. On a déjà fait les droïdes pour le coup, on va faire un peu les Jedi. Pour changer, c'est pas mal. Ok. Et n'empêche, ça, plus l'achat des persos, c'est vraiment les trucs qui font monter le plus vite. Ah oui, donc j'avais vraiment beaucoup de points de retard. Ah, mais c'est parce que j'ai fait les... Enfin, parce que j'ai refait les films, oui, d'accord, ok. J'avais zap. Il est vrai, il est vrai, il est vrai. Ok. Donc il me faut la clé. Il me faut la clé qui est chez Pau. Tiens, tiens, tiens. Et comment on te récupère, toi? Quel est ton secret? Quel est ton secret? Alors, il y a des trucs roses à récupérer au-dessus. On ira voir après. Au moins, tout a l'air de se rejoindre vers le haut du palais à un cube près. Alors, dis-moi tout. Ok, bouton. Attends. Je sens que ça va être chiant. Je sens que ça va être chiant. Il va falloir faire un relais de pilleur. Oh putain. Oh, celui-là, il va être pété. Ok. Ah, attends. Non, peut-être pas. Oh là là. Ok. Ça va. Ok, ça va, j'imaginais un truc bien plus chiant. Ça va, c'était nul. Oh, c'était tellement nul. Ah non, je m'attendais vraiment à devoir patienter avec l'un, tirer et créer des nouveaux fils avec l'autre. Oui, d'accord. Ça va, c'était nul. Ok. Grimpette contre-attaque. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent, messieurs, dames. Merci à toutes les personnes qui follow, sub et prime. YouTube, Twitch, TikTok, bienvenue. Il y a différents liens qui apparaissent sur le chat, n'hésitez pas à rejoindre. Ça permet de soutenir la chaîne. Les chaînes, en tout cas. Et je rappelle que maintenant, on rediffuse aussi les best-of sur TikTok. Ah merde, oui, non, c'est celui-là. Ah bah oui, du coup, c'est lui que je vois depuis tout à l'heure. Ah, fait chier. Ah, il est là! Ah, bah du coup, ça m'a permis de voir où il est. Parfait. Ok, ok, ok. On a l'interrupteur. Attends. Nya, et du coup, j'ai vu aussi qu'il y avait un autre cube en l'air. De ma gueule! Sérieux? On l'avait! Attends, en vrai. Eh, en vrai. Vous voulez aucun survivant? Compris. En vrai, il y avait le bouton. Hein. Il y avait le bouton, c'était vraiment au millimètre près. Voilà. Fallait quasiment se laisser tomber. Yaha! Salut, salut! Alors, attends. Il y en a un autre à récupérer, on a vu, il faut planer. Il est où? Toi, là. Toi, je te vois. Il y en a un aussi en montant l'escalier. Putain, mais mec, ils sont tellement cool, en fait, ici! Je m'attendais vraiment à une planète qui me crache dessus, ça me perturbe. Et du coup, ça, c'est à l'étage. Ok. Reste cool, Kazma, reste cool. Ça peut encore te cracher dessus à tout moment. Ah merde, attends. C'est là. Nye. Ok. Et du coup, l'autre, il est... Il est là? Il est là ou au-dessus? Il est où? Ah putain, il est au-dessus. Là! Nyaha! Excellent! Ok, parfait.
Fatigué le chat. Bah attendez, tiens, nouvelle question. Quelle est votre trilogie Star Wars préférée et pourquoi? Oh, un délice pour mes oreilles. Promenade puissante. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai marché assez longtemps au moins. Oh, bah très bien. Toi, t'es donné. Voilà. Ils sont tellement donnés en fait ici. Rider République, c'est pas un jeu d'Ubi ça? Je crois que c'est Ubi. Mais ça s'est pas un peu cassé la gueule comme jeu? Moi j'entends personne qui y joue. Oh putain. Ça c'est un peu sale. Mon rang ne se rabaisse pas à ce genre de non, c'est un peu sale. Je vais aller le chercher tout à l'heure. Parce que. Bon, ça va me faire redescendre, ça me casse les couilles. Non, flemme. Flemme, flemme. Attends, je suis tout en haut. Oh, tu me demandes de redescendre, ça va. Ok, variante du parcours. Ok. Nya, 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 nya. Merci. Nya, nya. Merci. C'est bon. C'est un peu dans le service. Ok. Oh, un délice pour mes oreilles. Et du coup, attends, ça sert à quelque chose d'aller là-bas? Attends, mec, ça sert à quelque chose d'aller... Ah! C'est bon. Là, ça sert à quelque chose? Attends, 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 c'est pas anodin, ça. What? Il y a une porte. Il y a une porte? Attends, non, il n'y a pas de porte. Attends, ça sert à quoi de venir ici? Ah, peut-être à ça. Peut-être à ça, là-bas. Et... Do it! Let's go! Parfait! Ah, et si, il y a quand même une porte en haut, d'accord. Oh putain, fais chier. D'accord, 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 je suis juste allé trop haut. Parfait, parfait. Ah, bah encore mieux! Quand même! Elle est où la porte? Attends, elle est où la porte? Ça me dit qu'elle est en haut. Et là, ça me dit que je suis au bon étage? Ah, je suis un connard! Oh putain, c'est une porte ça! C'est une fenêtre! Ok, d'accord. Alors, ma trilogie préférée, c'est la trilogie originelle. Donc, on parle de la toute première. Exactement, c'est d'Ubisoft. Et c'est un peu trop flop. La première, parce que j'adore Evan McGregor. Je sais pas c'est qui. J'y joue pas. Et c'est 120 balles, pardon. 120 balles pour Rider Republic? Oh la vache. Ok, on a trouvé. Qu'est-ce qui se passe ici? Et qu'on est en mission. Impossible. Oh, mais putain, mais c'est ça? Je suis dans plutôt le coffre de la banque. Incroyable. Jamais les mains vides. Excellent. À moi les sous. Putain, ce braquage armé. Mais du coup là je suis dans le casino. Et je fais comment pour sortir? Excusez-moi. Pourriez me faire sortir? Gloire à l'empereur Palpatine. Gloire à l'empereur. Comment je... Ah! Effectivement. C'est malin d'avoir mis un levier de l'intérieur. C'est malin. Je dis pas pourquoi c'est malin, mais ça l'est. Meilleure sécurité. Ok! Efficace de fou! Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Oula! Ah, je l'avais pas déjà fait, ça! Oula, 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 c'est quoi ton jeu, là? Hein? 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 Oh putain, d'accord, c'est une roulette. Ok, 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 ok. Ok. C'est quoi le but en fait? Je dois mettre le doré en haut? C'est super dur à calculer. Ah, mais c'est niqué du coup. Ok, 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 j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Mais en fait, dès le début, il faut limite perdre son premier point. Ok, on focus sur celui d'en haut. Merde!
Ah, je suis une daube. Ah, mais t'as le moment où ça atterrit aussi. Ça fait pas si je fais trois fois argent. Ça fait de l'argent, mais tu me diras, c'est logique. Un peu dur quand même, hein. Ok, 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 le deuxième il arrive. Attention, maintenant. Ok, ça va. Ok, ça va, ça va, ça va, j'ai pris le coup de main. Ah, mais c'est pas ça? Hein? Oh putain, attends! Il y en a, ils sont pas comme les autres. Ah, j'avais pas vu, je croyais que c'était deux fois de l'argent. C'est pas de l'argent. Ok, c'est genre prismatique. Comme les Pokémon. Ok. Ok, là normalement, si j'aligne celui-là, on est bon. Ok, par contre, en fait, ton premier saut, il est déjà foiré. Donc ça veut dire que la première fois que tu joues avec la roulette, ça marche pas. Oui, oui, j'avais pas vu qu'il y en avait qui étaient de la couleur de la brique. Ok, bien vu. Bien. Hein? Pourquoi ça tourne tout seul, ça? Pourquoi ça tourne tout seul? Il y a un deuxième truc à gagner? Il y a un deuxième truc à gagner? Attends, ça fait quoi si je refais... Ok. Merde! Ouais, niqué, vas-y, laisse tomber. Ok. Je pense que c'est un bug d'affichage parce que ça me dit qu'il reste une brique. Alors, ici, il y a quoi à faire? Ici, il y a un truc à faire, mais on le voit pas. Ok. Là-bas. C'est du métal! C'est pas du métal. Ah! Oh, attends! Mec. Dis-moi, faut trouver les paires. On est là, ça marche pas avec une baguette. Un flingue. Ok. Ah, fais chier. Ok. Ah merde, c'est même pas encore le même. Ah. Ça va être horrible ce truc. Ok, ok, vas-y, 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 vas-y. J'ai un doute. Ah merde, c'est pas le même. Ah putain, c'est dur. Mec, c'est super dur. Attends, attends, attends. Il y a que du blanc et du vert. Mais niquez-vous. Ah, j'ai déjà oublié où ils sont. Ah, c'est horrible. Mais attends, mais je croise que des trucs que j'ai pas vu. Je l'ai vu, lui. Lui, je l'ai vu. T'es pas genre là, toi? Ah, je suis nul. Eh, je suis une daube, hein. Attends, je voudrais bien retrouver... Oh! Beau gosse. Ok. Toi, je t'ai vu le moche, t'étais là. Merde, t'étais au-dessus. Ah, fessier. T'étais là et t'étais là. Ok, attends. Putain, toi, t'étais où déjà? Deuxième ligne, deuxième rangée. En fait, le problème, c'est que vous avez une dizaine de secondes de décalage avec moi. Donc, en fait, si vous m'aidez pour un truc, je suis déjà à deux étapes devant. Merde. Là, j'essaie de retrouver le premier. C'est pas celui-là. Ah! Attends. Lui, c'est l'un des deux que je viens de faire. Ok, c'est celui-là. Ok. Ok, ok, ok. Toi. Yes, ok. On avance, on avance, on avance. Ok. Fais chier. Allez, 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 allez. Il reste pas 30 000 solutions. Voilà. Parfait. Yassa! J'aime bien les jeux comme ça. La première fois elle est lente la roulette, la deuxième fois elle est rapide. Mais ça sert à rien, genre tu regagnes un cube ou pas? Je pense qu'il manque un prérequis. Pour celui-là. On va d'abord finir tout ce qu'on a et puis on va voir ensuite. Mais Ah attendez, il y a un perso. Attendez, il y a un perso. Allons, Cersei, le perso.
En tout cas, ça me fait plaisir parce que l'air de rien, la planète va vite à faire. Ouah, t'es moche! Ah, attends, t'es cool. Hein? Pourquoi elle a genre des muscles surdéveloppés? Vous tombez à pic, mon chou. Oubla est tombé terriblement malade. Ma! Oubla est malade! Avant de briller sur scène. En même temps, son nom, ça ressemble un peu à Marlboro, quoi. Va pas te demander pourquoi t'es malade. Et personne ne peut chanter dans cet état, mon chou. Oubla a besoin de son remède spécial. Accepteriez-vous d'aller les voir Ewoks. Les Ewoks sur Endor pour le récupérer? Oui, vas-y, je l'ai fait. Amma. Ah, j'aurais dû regarder le prérequis pour la clé. Oubla, allez le voir. Parce qu'à tous les coups... Revenez immédiatement. Vite. Oubla a préservé sa voix. Ouais, parce qu'à tous les coups, la clé, elle est sur une autre planète. Attendez, on va sortir. Je vais en profiter pour faire le vol là, juste à l'entrée. Et on va aller voir le gars juste à côté du verrou. Parce que si ça se trouve, il va me donner une planète à aller voir, comme ça j'en profite. Elle aime peut-être un peu trop le sport. Bah après, si elle chante, comme on dit, c'est pas les ténors, tu sais comment t'appelles les gens qui ont des grosses voix? S'il faut... Une chasseuse de ah, j'avais pas vu que c'était BD, ça. S'il faut, il faut des abdos en béton, hein. Donc en vrai, ça s'explique. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est un avant, ça. D'accord, donc toi, tu te dis, tiens, d'abord, je vais le scotcher avec ça, et ensuite, on verra. Attends. Mais attends, parce que mon pote, tu veux pas les remettre comme moi, je les aurais remis. Tu veux pas les faire de manière logique, tu vois. Ah oui, c'est d'accord, ok. Pardon, excusez-moi, vous êtes plus logique que moi, pardon. Ok, ça a l'air pas mal, mais il manque pas la queue. Ah oui, forcément la queue. Et voilà, Cadichon. Tu es beau, beau et moche. En fait, c'est exactement la monture qu'on a pris tout à l'heure. Hein. Ouvre, merci. C'est cuit. Parfait. Il restera un perso à faire ici. Et et ce sera à peu près tout. Alors, toi, je te récupère au passage. Et ensuite, on dérive à gauche. Bon, de toute façon, ils vont pas trop me laisser le choix. Nya! Nya! Oh! Beau gosse! Merde! Pourquoi il a fait demi-tour? Connard! T'es bon. Vraiment dommage de pas avoir un planage plus long que ça. Hein. Il est triste, le planage. De fou. Je vais aller profiter du beau temps pour tondre le gazon. Je vous dis à toutes. Des bisous. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Vous êtes en retard. Mon contact à l'avant-poste de Crete m'avait parlé de quelqu'un de ponctuel. Vous avez le mot de passe au moins? L'avant-poste de Crete, c'est où ça? L'avant-poste de Crete. Attendez. Ça doit être... Ah, là. Donc on va aller chercher la clé pour ça et après on fonce chez les Ewoks pour le remède. Les Ewoks c'est Chewie hein. Désolé, je n'arrive pas à retenir Ewok et Wookie. C'est quasiment la même merde à peu de choses près qu'il y en a un qui fait 2 mètres et l'autre qui fait moins d'un mètre. Mais je n'arrive pas à retenir. Tchou. Il va y avoir tellement d'avant-postes à faire après. J'ai fait tellement peu d'avant-postes. Alors, une clé. Une clé. Attends, je crois que les clés, elles sont pas indiquées. Merde. Elle serait où, la clé? La clé? Ah, puis ça s'étend dans les grottes et tout. Ah ouais, dur. Ah, attends. Il faut aller en intérieur. Alors, à mon avis, pas ici. Ouais, à mon avis, pas ici. On cherche la clé. Wookie, c'est Chewie et Ewok, c'est Peluche. Wookie, c'est Chewie. Faudrait que je pense Wookie, Chewie. Parce que j'arrive pas à retenir. Ewok, c'est Peluche.
J'adore. Ah, la comparaison elle est folle. Ok. Donc ça c'est les zones d'extraction. Putain, elle est où ma clé? Ma clé. Ah vache, il monte super vite. Il a fait touk 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 touk. Pourtant j'ai pas pris d'upgrade. Peut-être que de base les pilleurs montent vite et j'ai juste jamais fait gaffe. C'est qu'il y a une porte. La peluche marseillaise. Pourquoi marseillaise tout de suite? Respectez pas nos amis marseillais. Hein. Bon j'avoue moi le premier peut-être. Alors je crois voir un truc. Merde, attends. Je crois voir un truc. J'ai l'impression de voir ce qui pourrait être une clé, mais à l'étage du dessus. Arrou ! Par là. Je crois que je vois une clé, j'ai un doute. Hein. J'ai un doute parce qu'il y a un cube et un truc d'information juste dessus. J'adore faire les tuk 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 tuk. C'est par là ? Oh oui, elle est là. Oh là ! Il est pas aveugle l'animal, hein ? Il est pas aveugle ? Est-ce que c'est toi? Let's go! Point de déchargement à Kanto. Et ben voilà. Et du coup, village d'Ewok. Ah et du coup là on va voir les peluches, ok. C'est un lullaby, je te jure. Et ben parfait. Comme ça on a les deux. À condition qu'il n'y ait pas d'autres problèmes. Il y a des chances pour que la mission de la nana là, de la chanteuse, elle soit liée à la mission un peu plus loin dans le casino. Et merci aux personnes qui rejoignent sur le Twitter. Hein. Parce que je viens de voir qu'il y avait des nouvelles personnes qui avaient suivi. Alors, le remède spécial. C'est un truc à récolter ou c'est vraiment quelqu'un qui me donne le remède spécial? J'ai pas d'ordonnance, ni de carte vitale. Je pense que vous vous en battez les couilles ici. Hein. Pourquoi vous parlez du médecin de village? Lui vous envoie pour que je paie mon ardoise, c'est ça? J'ai dit que... Hein? Que moi monter affaire très lucrative de gros cailloux. Je rembourserai. D'accord. D'accord, donc on cherche le médecin du village. Médecin du village. Fou. Vous, pas besoin d'aller voir le médecin, les faibles tombent malades. Jamais vu de médecin de ma vie, regardez-moi, fort comme la forêt. Maintenant en route. Et emmenez avec vous armée de monstres pyromanes. D'accord. Ah, il y a un mec. Il y a un mec, il est coincé dans un sac, ça me tue. Pas médecin village, je suis avocat, c'est très bien aussi, même si ma mère pas d'accord. Ouais, dans tous les cas ça paye bien. Après, je sais pas quel est le travail le plus lucratif chez vous, mais pour moi c'est pas mal quand même. Le médecin village, c'est la hutte là-bas, mais attention, lui me donnait une potion pour aider à dormir, et maintenant moi et deuxième nez. Super! Excellent! Moi aussi j'en veux une avec un deuxième nez. Bonjour. Vous faire potion avec deuxième nez? Je suis le médecin du village, en revanche j'ai bien peur de ne plus avoir le remède Bla. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue, je l'ai utilisé pour graisser un vieux tiroir. Ah merde. Vous inquiétez pas, si vous m'apportez assez de sève d'arbre sacré, je pourrais faire un autre remède. Et il est où l'arbre sacré? Il est où l'arbre sacré? Attends, 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 on y est là? Ah c'est ça. Comment je récupère ça? Je crois c'est ça. Ok, rigolo. Donc il nous faut de la sève. Ok, deux. Regardez s'il n'y en a pas là. Il n'y en a pas. Là. Ok, trois Michel, trois. Il m'en manque. Il m'en manque, c'est par où? Par là. Merde. C'est... Putain. Je crois que c'est par là. Ouais, c'est par là. Alors, de la sève. Là. Ok, 4. Ah merde. Bah, il m'en manque un peu, Michel, hein. Ici.
Alors comment on y va? Putain, c'est tout là-bas. Ça va, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. De la sève. De la sève. De la sève. Je dirais que c'est autour de cette arbre, mais je trouve pas la sève. De la sève. Wouhou. Il y en a à l'étage ou pas? Non, il n'y en a pas à l'étage. Merde. Bah alors. J'ai loupé un truc. La sève à l'intérieur? Pas vraiment. Pas vraiment, hein. Et en dessous encore, on peut pas y aller. Ah si. Ah non. Non, non, on peut pas. Eh ben, oui. Je sais pas. Attends, là c'est toujours le bon étage. Oh bah alors. Ça a l'air d'être un truc nul en plus. Sève. Regarde une soluce peut-être. Je suis pas sûr que ça nous aide en vrai. Tu peux hein. Franchement vous pouvez regarder une soluce si jamais. Avec un peu de chance peut-être que ça va nous aider. Mais j'ai un doute. Ah. Oh putain. Mais quel connard, il était devant. C'est bon là. Ok, let's go. On retourne faire le médoc. Et on ramène ça à madame. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y avait un droïde devant. Mais quel connard! Il était bien devant en plus. C'était là? C'était là. Bah, bonjour. Alors, vous avez assez de sève brillante. Remède qui marche. Allez, blou, 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 blou. Remède qui court même. Tola, tola, tola. Mais il chante, quel connard! Allez, touille, 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 touille. Remède est prêt, j'apporte au vaisseau, vous l'apportez à Oubla. Ok, livrez le remède à Oubla. Ah, ça m'a pas TP! Oh, c'est nul! D'habitude, ça me TP! Oh, mec! Oh, c'est plus simple, parce que là, il faut encore que. De là-bas, faut encore que je fasse le chemin jusqu'en haut! Pas pratique. Comment ça, alerte? Ah, d'accord. En fait, c'était prévu qu'on se fasse attaquer, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre cette cargaison. Ça sert à rien de résister. Ah, ah. Allez, venez vous battre. Vous valez pas grand-chose. Une phase de shoot pour une phase de shoot, là. Hein. Arrêtez de lutter! Tiens, d'ailleurs, attends. Parce que j'ai pas un nouveau vaisseau, moi. Et d'ailleurs, j'ai appris un truc! Vous savez, les mini-vaisseaux qu'on obtient dans l'histoire? Bah, en fait, on peut les équiper! Donc, en fait, j'ai un tout petit vaisseau! Je peux avoir un bébé vaisseau! C'est trop rigolo! Alors, par contre, j'ai pas du tout, c'est épuisant. Ah, les tirs sont pas du tout les mêmes! Ah oui, par contre ça fait des vrais dégâts. Hein. Oh, mec, ça one shot. J'ai un tout petit vaisseau. Bon là on le voit pas parce que j'ai la cargaison. Mec, la cargaison est plus grande que le vaisseau, on en parle. C'est trop rigolo. Point, point, point.
Allez, round 2. Ah, qu'est-ce qu'ils sont creux ces trucs-là. C'est dommage, hein. Oh, c'est pas vrai. Allez, attaquez-moi. Ce sera plus rapide. Ok. Moins 1. Moins 6. Moins 32. Allez, plus que 2. Plus qu'un. Let's go. Par contre, je sais pas si on va aussi vite avec ça. En fait, la cargaison est pas grosse, hein. Si tu regardes, on voit ces 3 PO à hauteur du truc, hein. Ah, c'est fini? Oh yes. Oh, il n'y en a eu que 2, incroyable. Ah, si on a eu que 2, c'est le feu. Ah, il n'y en a eu que 2, génial. Parce que d'habitude, on a 3. Et là, j'avoue, ça facilite grandement le truc. Excellent, excellent. Bah du coup, vu que j'ai la clé pour le bâtiment à côté, on va faire une pause pipi sur la route, hein. On va récupérer ça, hein. Ah, attends. Oh, il y a des montures à l'entrée. Le retour des aventures de C3PO. Let's go. Ah, mon but c'est juste d'aller au palais et de dériver à droite pour aller ici et nia. Ah là. Bonjour. Un drôle de bruit par contre. Station d'arrimage. Normalement c'est ça. Hein? C'est pas ça? Comment ça c'est pas ça? Ah merde, pardon, pardon. Point de déchargement du canto, pardon. Oui, oui, je partais du principe que le dernier mot de passe que tu obtenais, il était tout en haut. Non, c'est bon, c'est bon. Excellent. Nya. Rapide, efficace, professionnel. Trop fort. Et attends, il y a une porte juste à côté. Il y a une porte juste là. On l'avait pas fait ça non plus. Ah oui. Qu'est-ce que... Hein? Quoi? Quoi? Attends, 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 attends. On va déverrouiller les autres et puis ensuite on réfléchit, d'accord? Je crois qu'il faut juste rester dessus. Non, c'est même bazar. Je sais pas, attends. Qu'est-ce que tu me racontes? Maquine, comprenez? C'est un ordre. C'est un putain d'ordre. C'est juste un ordre. Ok, donc c'est pas celui-là. Donc c'est 1. 2. Et 3. C'est de la merde. Ah, bah voilà! N'empêche, ça m'aura permis de voir qu'il y avait un bâtiment parce que je l'avais même pas vu. Ok, excellent. Un vaisseau? Mais, hein? Je viens pas d'obtenir un cube, là? D'accord. Ok, et du coup, le cube qui est là, c'est quoi? Parce qu'il était déjà tout à l'heure, lui. Oh, ça fait... Vous imaginez pas, hein, ça fait du bien de plus voir Yaddle dans mon équipe. Parce que vraiment, je me la suis tapé pendant quelques heures le temps de refaire le mode libre de l'histoire. Quel enfer! Ah, il faut la carte qui est là. Oui, qui est là. D'accord, c'est nul. Bah, ça y est, je l'ai, quoi. Décidément, la difficulté, elle est pas... C'est pas tout le temps la même, tu vois. Des fois, elle est incroyablement dure. Enfin, incroyablement dure. Des fois, elle résiste un peu. Des fois, vraiment... On récupère, mais en 2 temps, 3 mouvements. Hein. Excellent. Bon, bah, ça, c'est fait. Parfait. Pourquoi on n'arrête pas d'obtenir le TIE? Je crois qu'on a un bug d'affichage. Je crois qu'on a un putain de bug d'affichage. Normalement, messieurs, dames, on est sur la fin de la planète. Ah,
Quoi que je dis ça, en fait, il reste encore une mission ici. Mais il reste du coup... Non, attends. Il reste déjà la mission de la nana à rendre. Ensuite, il y a toujours un truc au milieu là. Ah, tiens, ça, c'est revenu. Tiens, 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 tiens. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Il y a un nouveau cube? Ça a bugué? C'est un nouveau cube? Attendez, je le refais vite fait. Ça tourne plus dans le même sens. Ok. Oui. Ok, on va le refaire une deuxième fois. Tout à l'heure, il n'y avait pas le curseur. Ok. Ok. Oh putain. Mais quoi? D'accord. Vriller pour gagner un nouveau. Ok, donc c'était pas un bug d'affichage. Bah non, mais j'ai bien fait. Comme quoi. C'est le remède doublin. Qu'est-ce que vous attendez, mon chou? Donnez-les-moi. Tiens, madame. T'es bon, t'es heureuse? Non. Oh, la dépense. Se sent ravivé. Et revitalisé. Et prêt à chanter. Ce petit numéro était spécialement pour vous, mon chouchou. Mon chouchou. Oubla et tout le monde du show business vous remercie. Et maintenant, en scène, mon chou. Que le spectacle commence. Ah, let's go. C'est bon, Victoire? Let's go. Je pensais presque qu'elle allait développer un truc, que ça allait créer un événement. Bon alors attends, ça c'est fait. Du coup... Ah du coup ça fait dépop le logo au milieu. Ah d'accord. Ok. Bon bah du coup il y avait bien un bug d'affichage. Trop bizarre. Trop bizarre. On a quasiment terminé apparemment. Hein. On n'a pas encore checké les prérequis. Mais à l'exception de... Waouh! Je trouvais déjà Jabba moche. Oh la vache. Waouh. Je suis venu dans cette petite ville miteuse pour trouver cette crapule au gros nez qui m'a pris mon fils Zéro. Mais il faut est-ce qu'il y a R3 et S6 dans les droïdes? Je sais pas, je vais regarder. A toujours une longueur d'avance. Si tu n'avais pas compris... C'est là que tu entres en jeu. Si tu veux bien m'aider à retrouver cette gourde, je suis sûr que je pourrais te récompenser. Mais en fait, tous ces gros tas de merde là, c'est des investisseurs. C'est des mecs pleins aux as. Alors, aux c'est des businessmen. Size Noodles sillonnait les rues de Canto Bight pour essayer de donner un concert. Madame, mais c'était un perso à avoir, elle. Tu vois le genre. Ah, mais c'est la... Cette nana, on l'avait sur la planète de Coruscant, au quartier de Screw. Donc à mon avis, c'est cette mission-là, le prérequis pour Coruscant. Ok, 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 on a trouvé la mission. Ah, du coup, c'était la toute dernière. Waouh. Renseignez-vous sur la localisation. Dernière nouvelle, Size Noodle. Ok, à sillonner les rues, ok, j'ai noté. Pourquoi il y a ça là? D'accord. Ah, ok, d'accord, il y avait un porg. Un porg. Un me porg. Un me. Un me. Ah, attends, il est où lui? Bonjour. Oh, Chantal McLonney. Chantal McLonney, pardon. Elle disait qu'elle deviendrait une star. Mais s'ils ont pas aimé mon cirque de porgs, il y a aucune chance qu'ils aient recruté. Ça veut rien dire, t'es juste jaloux, c'est tout. Oui, t'es juste jaloux en fait. Parce que là, la mission elle me mène totalement là-bas. Hein. Je ne lâche plus ce perso, c'est devenu mon main d'aujourd'hui. Varier un peu le plaisir. Hein. Attention. Voilà, pour la miniature. Let's go. Alors, donc tu seras à l'intérieur. Moi je pense que ce gros tas de merde il va fuir. Ou qu'il y aura méprise, je sais pas. Allez là-bas. Là où il y avait Abra. Oublie Abra, Abra. Katakra, Katakro. Bonjour. Size Noodles. Ouais, elle est passée par ici.
Elle cherchait un boulot de chanteuse. Oh mon dieu. Je lui ai dit pourquoi on voudrait d'une chanteuse quand on a déjà la légendaire Oubla Marlboro. Ah, on est d'accord. Et après m'avoir jeté un verre à la figure, charmant, une boisson aussi chère, elle est partie en marmonnant qu'elle prendrait le prochain vaisseau pour Coruscant. Tiens, je me demande si elle y est déjà. Ah donc ça y est, ça mène bien à Coruscant, excellent. Mais du coup, attends, vu que ce perso, on l'a à Coruscant, ça veut dire que la mission va se boucler là-bas et faire du sens avec bah, la continuité là-bas, du coup. C'est comme pour bah, la chasseuse que j'ai dans mon équipe, qui cherchait le fan de trampoline, là, qu'on a retrouvé à... Comment ça s'appelle ? À Yaku ? C'était pas Yaku ? Nami, Nava, Oh, je sais plus, là où il y a Rey au début de sa trilogie. La chasseuse, elle est partie chercher son pote là-bas. Une fois qu'on avait terminé avec elle, genre on a obtenu sa mission et on a récupéré le perso. Et après, on pouvait continuer avec les quêtes de Monsieur Trampoline. Ah, le fan de Trampoline, quelle horreur. À la fois très bien et en même temps très chiant. En fait, son combat de boss était un peu longué pour pas grand chose. Bonjour. Une chanteuse? Oui, je vois de qui vous parlez. Ça fait quelques jours qu'elle chante devant tous les producteurs et les propriétaires de clubs qu'elle rencontre. D'accord, et ça marche elle pas, je suppose. Certainement encore. Jetez un œil et ouvrez grand vos oreilles. Vous pouvez pas la manquer. Ok. Alors, on peut pas la manquer. Tu m'étonnes, entre sa voix et son physique. Elle est où? C'est elle? Ah, mais je. Ah! Ah, je m'attendais pas à ça! Allez, elle est encore pire que ce que je pensais! Tu peux pas reconnaître le vrai talent? Vous pouvez m'aider? J'arrête pas de lui dire que je suis pas producteur. Mais elle, elle continue de chanter! Ah, la catastrophe! Qu'est-ce que vous me voulez? Vous cachez mon audition, là? À moins que... Non! Ah, putain. Non! C'est Mama la Hutte qui vous envoie? Ce gros tas me lâchera décidément jamais. Mais c'est quoi ce perso de merde? Enfin, vous pouvez me lâcher. Salut! Course poursuite, c'était sûr. Vous m'attraperez jamais. Ouais, je t'attraperai jamais. Ok. Eh ben c'est parti, hein. Putain, et c'est une course poursuite ici, sérieux? Par contre, j'ai peur de sa mission à elle, du coup. Parce que vu la mission pourrie que c'est là, la mission d'après, elle va être bien. Elle va être très bien. Arrête-toi! Elle est vraiment trop cheato, celle. Comme chasseuse. Elle a un pistolet à rafale! Oh, t'es tellement naze! Oh mon dieu! Allez, on la rapatrie! Bon, alors si on a bien taffé, j'espère qu'on a bien taffé. Techniquement, on en a terminé avec les missions sur l'autre planète et on va pouvoir revenir ici directement. Donc là, en fait, je fais des allers-retours à la con. Alors, Size Noodles, si je l'ai bien reconnu, c'était l'amour de Zero, le fils de Mama le Hutt. Donc c'est un perso connu? Attends, quoi? Mama Hutt est l'oncle de Jabba. Quoi? En même temps, ils ont la même gueule, mais je voulais pas être raciste en disant qu'ils avaient tous la même gueule, tu vois. Est-ce que je vois ce que je vois? Tu as vraiment réussi à l'attraper. Oh, toi, tu vas payer pour ce que tu as fait à mon petit Zero. Size Noodles. Elle veut chanter. Elle va chanter. Et passer le reste de sa vie à jouer les bouffonnes pour moi. Oh, ça parle mal. Oh, tu as rempli la mission que je t'ai confiée. Alors j'imagine que tu veux ton dû. Tiens, c'était un plaisir de faire affaire avec toi. Let's go. Et à mon avis, si on la retrouve à Uscru à nouveau, c'est qu'elle s'est enfuie. Elle s'est enfuie de fou. Elle s'est enfuie de fou et à mon avis, elle veut pas qu'on la retrouve. Et elle va nous demander de l'aider ou un bail de genre. Il me manque une brique. Ok. Allons la chercher. Et on peut pas être parfait, hein. Je pensais que j'avais tout. Ah, dommage. J'aurais bien voulu faire du lien directement, mais c'est pas grave. On va dire que le temps qu'on a cherché la brique, c'est le temps qu'on lui a laissé. De prime de mon rang ne se rabaisse pas pour qu'elle puisse s'enfuir. De soldat de deuxième classe.
Bah c'est des Hutts, c'est une famille. Bah je sais pas, pour moi les Hutts, c'est la race, tu vois, genre... Oui, c'est une planète. C'est une planète de merde. Enfin, non, je veux dire, c'est vraiment tous des tas de merde, quoi. Hein. Ok. Donc ça déplace les deux du bas. Ça déplace les deux du bas. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aligner? Je tente un alignement. Ah, attends. Oh putain, il me faut le cœur. Il me faut le cœur. Ma nouvelle déco est superbe. Mais ma vitrine est sans dessus-dessous. Il faut vraiment que je trouve quelqu'un pour régler ça. Ah merde, du coup j'étais pas trop mal. Ah, fait chier. Ouais mais alors attends, parce que du coup si je... Ah ouais mais attends, c'est chiant son truc là. Oh, ça va être pète couille. Parce que là du coup... Mec. Ah, c'est affreux. Ah, le pire c'est que je l'avais. Je l'avais mais pas dans le bon sens. Là j'ai déséquilibré le haut et le bas, donc ça veut dire que j'aurai jamais mes cœurs en même temps, fait chier. Ok, bah écoute, on va enchaîner hein. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Allez, plus qu'à avoir les cœurs. Voilà, et là on est bon. Voilà. Let's go. Cupcake chamboulé. Et messieurs, dames, nous avons terminé à 100% la Cantonica. Excellent. Et du coup, on va retourner à Coruscant pour boucler le quartier du Scru. Pour obtenir le dernier personnage qui est donc la mocheté. On vient d'aider il y a 2 minutes. Sauf que là, on va l'obtenir. Oh, aïe. Très heureux. Très, très, très heureux. J'aime bien quand ça se passe comme ça parce que là, du coup, il n'y a pas de prérequis. On n'est pas... voilà, obligé d'aller je ne sais où pour boucler la planète. Par contre, en même temps, ça va nous permettre de terminer Coruscant. Et ça, c'est nice. Bon, oui, je sais, j'avais dit que j'aurais bien aimé quand même un prérequis. Comme ça, ça me permet de savoir où aller par la suite. Mais quand même. Oh, et du coup, Cantonica était une planète pas chiante au bout du compte. Waouh, ça m'a surpris. Et pas que ça. Pas que ça, parce que du coup, bah là, ça y est. Après ça, on a terminé toutes les planètes pète-couilles. Là, pour moi, maintenant, il reste que des petites planètes. Alors, ça veut pas dire qu'elles seront pas chiantes. Mais en fait on a terminé toutes les grosses planètes. Et on a encore le temps, donc derrière on va s'en enchaîner une autre. Si vous êtes toujours chaud. De toute façon, même si vous êtes pas chaud, moi je suis chaud. Donc let's go. Ok, donc c'est à ce niveau. Ah, mais ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va désactiver le filtre rétro. Et ce qu'on va mettre, c'est le mode hologramme. Que le mode rétro, pas trop fan. Alors que le mode hologramme. Oh, c'est sympa le mode hologramme. Oh, c'est sympa le mode hologramme. Ah, c'est que nous. Je pensais que c'était tous les PNJ. Ah, c'est dommage. Ah, j'aurais bien voulu que ça soit tout le monde. Encore vous. C'est maman qui vous envoie. Je lui ai dit que je ne partirai plus. On a conclu un accord. Elle me laisse chanter. Et elle récupère 90% de mes gains. D'accord. C'est pas parfait, mais c'est mieux que de faire un spectacle de marionnettes toute la journée sur Kanto. Mais ça meuf, dit, genre, t'arrives vraiment à avoir des sous? Ouais, voilà, ouais, voilà. Et sans public, pas d'argent. Tu chantes mal, hein? Vous pensez pouvoir m'aider à attirer les foules? Non, vraiment, à part en les forçant avec la force, justement, je pour vois pas. Pour commencer, il me faut une meilleure salle de spectacle. Ça, il mérite bien mieux que ça. Oh mon dieu. Trouver une meilleure salle de spectacle, ouais. Ok, je sais pas. Ah, je la suis, d'accord. Attends, tu vas me dire qu'elle va se faire attaquer? Par ici, mon chou. Ah mon dieu. Elle a pas une voix forcément trop détestable quand elle parle, ça va. C'est vraiment quand elle chante. Oh. Amuse-toi bien, pourquoi vous me dites ça, vous êtes horrible. Tout ça a l'air très sympa. Mais c'est terriblement calme. Faites venir des gens et faites-les danser. Plus les gens passeront du bon temps, plus l'argent coulera à flot. Alors, elle a dit vrai, mais je vois pas comment là.
Ouais, voilà, voilà. Donc là, en fait, tu me demandes de forcer les gens. Oh my. Ah mon dieu. Mais même, franchement, la personne que j'ai ramenée, elle a senti que c'est de la torture. Elle voulait pas, hein. Allez, manque une personne. Tiens, viens là, toi, je sens que t'en as envie. Regardez les gens, ils fuient, c'est horrible. Mais même nous, on se bouge les oreilles. À l'aide. À l'aide. Allez, dis-moi, t'es contente. Allez, dis-moi, t'es contente. Pas mal. Mais il n'y a que des radins dans cette partie. Allons tenter notre chance ailleurs. À l'aide. Suivez-moi. Là, par contre, tu vois, ça m'étonnera. J'arrive pas. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle se fasse agresser justement parce qu'on force les gens à aller les goûter. Et que ça finisse en castagne. Ici ? Voilà qui est bien. Oh mon dieu, non ! À l'aide. Mais le pire, c'est qu'en fait, faut le faire en deux temps. T'as le premier passage où tu dois emmener le PNJ et ensuite le faire danser. Et bah tout ça, ça prend un peu de temps quand même. Mais si tu me dis de le faire X fois, ça va être pas de couilles. Allez, toi tu danses. Oh mon dieu, pourquoi je fais ça? Je suis pas assez payé. Non merde, voilà, et là je me suis gouré par exemple. Et donc le faire danser sur place, ça sert à que dalle. Eh, n'empêche, j'avais pas vu, mais on avance sur les 5 milliards. Hein. On avance. Alors attends, on en est à 3, il en reste un quatrième. Merde. On part là. Le dernier, il est où? Le dernier, il est dans l'escalier. Excusez-moi, qui veut venir à la teuf? Ah, c'est toi. C'est bon? T'es contente de ta torture? Ah la vache! Ah, c'est pas un plaisir sa mission, elle, hein? Ok, c'est pas mal du tout. Mais je dois gagner plus que ça si je veux avoir assez d'argent avec les 10% du salaire qu'il me reste. Ah putain. C'est le code Nintendo, faut le faire 3 fois, à l'aide! À l'aide! Allez, un dernier endroit. On tente le tout pour le tout. Le tout pour le tout. Oh my. Bon là, à mon avis, t'auras pas mieux. Hein. Allez, c'est bon, on est arrivé. Oh mon dieu. Nous y va. Alors, combien de gens? Oh la vache! Non, c'est bon, 5. 5, pardon, j'ai cru voir 7. Ça fait quand même 5, hein. Après, ça va, c'est terrain vague. C'est plus simple que dans les escaliers, mais bon, quand même. Mais pourquoi d'endormir les gens comme ça? C'est affreux. Ils ont pas mérité ça. En fait, limite, à un moment, elle va commencer à se faire payer pour qu'elle arrête de chanter. Allez, 2-3. Deux autres, voyons voir. Je sais pas comment vous l'avez le son chez vous, moi il est très fort dans mes oreilles. Certains diront que c'est de la torture, moi je dirais que c'est de l'immersion. Pourquoi je fais ça déjà? Ah merde, attends, il en reste un là-bas. En fait c'est quand elle monte dans les aigus que c'est affreux. Ça y est, c'est fini. Ah, mon chou, on va être riche, riche, riche. Ce serait pas le propriétaire d'un club hyper branché là-bas? Le patron d'Outlandais? Oh putain, oui, c'est lui! C'est vraiment lui! Vous
avez vu son regard? Ça, c'est un regard qui dit « Je vous offre un contrat de 10 ans pour chanter dans les clubs les plus branchés contre seulement 9% de votre salaire. » Ah, mon Dieu. 90% pour Mama, ça me laisse pas grand-chose. Ouais. C'est le prix à payer pour la liberté et faire ce que j'aime dans la vie. J'espère que les repas sont compris quand même. Ah bah là, à ce niveau, s'ils sont pas compris, t'es mal barré, ma cocotte, hein. Bon bah voilà, c'est fait. Bon bah messieurs dames, Coruscant, 100%. Cantonica, 100%. On est bien de chez bien, hein. Eh bah écoutez, YouTube, 1h25 quand même déjà. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que celui-ci t'a plu. Franchement, un épisode moins chiant que ce que je pensais, parce que la planète de base me donnait pas envie, mais en fait ça va, ça s'est globalement bien passé. On va juste attribuer, voilà, ce qu'on peut où on peut. Il nous manque ah bah c'est bon, j'ai bouclé 3 trucs sur 4. Il nous manque des cumes, mais dans la prochaine planète, je devrais obtenir ce qui me manque et donc pouvoir terminer l'arc Jedi. Ce qui est parfait. Et bah écoutez, je vous fais des poutres partout, je vous remercie pour tout, et je vous dis à très vite pour la suite et un nouvel épisode du 100% sur Lego Star Wars, la saga Skywalker. Des bisous!